Habitué de la taverne, bien le bonjour. Comme vous pouvez le constater au joli truc qui pendouille et qui m'aura pris beaucoup de temps et beaucoup de patience, aujourd'hui nous allons fabriquer une lampe montgolfière steampunk. Alors j'ai beaucoup galéré pour cette lampe, pour la simple et unique raison que j'ai décidé de faire le ballon en bande de plâtre. Les bandes de plâtre, c'est en bande, toute simple, c'est du plâtre, tu le mets dans l'eau, tu le colles, t'attends que ça sèche, ça durcit. Le seul problème, c'est que j'ai voulu faire le papa modèle et le faire avec ma fille, ce qui fait qu'on l'a très mal collé et j'avais pas suffisamment de bandes pour venir faire la pointe, le bout de la montgolfière. Ce qui fait que plus j'avançais dans le truc et plus je regardais en me disant il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à changer quoi. Donc j'ai fait comme j'ai pu avec le matériel que j'avais, parce qu'encore une fois, en règle générale, je n'achète rien pour faire un tuto ou une construction. J'essaye de faire toujours avec de la récup, et des fois c'est pas facile, mais bon voilà, je suis pas satisfait à 100% des résultats, mais je suis pas non plus dégoûté à 100%, je suis mitigé. Et comme j'y ai passé beaucoup de temps et que j'ai dépensé énormément de matériel du coup dans cette montgolfière, je la poste quand même, même si je suis pas extrêmement satisfait du résultat. Mais bon voilà, au moins vous aurez des bases et vous pourrez faire à votre sauce avec ce que je vais vous donner comme conseil. Donc la construction a été tellement laborieuse que ça s'est fait sur quelques jours, et du coup je n'ai pas pris le temps avant chaque étape de l'expliquer à la caméra. Et comme ça va être très compliqué pour moi d'expliquer les étapes maintenant que tout est fini, et bah si ça ne vous dérange pas, je vais vous expliquer le tout dans sa globalité à la fin de la vidéo. Comme ça vous saurez exactement tout ce que j'ai mis et les étapes que j'ai fait. Mais voilà, en suivant la vidéo, certains d'entre vous vont pouvoir tout à fait se débrouiller. Il n'y a que l'étape électrique où je vais vous l'expliquer, parce que j'ai bien vu que ça a accroché pour certaines personnes sur le dernier au niveau du pistolet, parce que j'ai mal expliqué. Voilà, après le reste, j'expliquerai tout à la fin. Donc on se retrouve à la fin. Bonne vidéo à tous et bon courage! Alors une fois que vous êtes muni de votre assistante, de votre ballon et de vos bandes, on va tout simplement tremper les bandes dans de l'eau. Ok. Et venir les poser sur le ballon. Ok. Celle-là? Bah, de toute façon, on va toutes les faire. Ok. Avant moi. Attends, je les mets dans l'eau, je te les donne, puis tu les colles sur le ballon, d'accord? Tu les colles comme ça. Ok. Ok? Je vais te tenir après.
Espèce de gros connard! Je viens de tout expliquer sans filmer, c'est génial, j'aime bien quand je fais ça. Donc je disais donc, place à l'électricité. Alors pour l'électricité, c'est simple. J'ai encore une fois utilisé les petites LED qui sont déjà accrochées à des fils. Le lien est dans la description. J'ai percé des trous dans le ballon de ma montgolfière au fer à souder. Et je suis venu tout simplement mettre les LED à l'intérieur que j'ai fixé ensuite en dessous avec des petits points de colle chaude. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai utilisé un fil bleu, comme sur le pistolet. Le fil bleu ne sert juste qu'à agrandir mes fils parce qu'ils ne sont pas assez grands. Donc j'ai deux fils bleus. Sur un des fils, je vais brancher tous les fils rouges des LED. Et sur l'autre fil, tous les fils noirs, tout simplement. Et ensuite, à l'autre extrémité de mes fils bleus, je viens brancher sur les fils rouges et noirs de mon truc à pile, tout simplement, qui est ici. Et c'est aussi simple que ça. Si à ce niveau-là vous mettez un bouton, vous pourrez allumer comme une lampe. Go, 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 go
Et voilà, messieurs, dames, notre montgolfière est à présent terminée. Alors faites pas attention, je vais parler que ici, parce que j'ai plus de place dans la caméra. J'ai tellement galéré et fait d'autres tutos en même temps que j'ai pas le temps de le vider, il est tout plat. Du coup, je vais vous parler que de là. Alors, comme vous avez pu constater, la nacelle, j'ai pris une boîte de fromage, de camembert corps de lion, sur lequel je suis venu coller tout simplement des popsicles, donc des petits bâtonnets de bois. Pour la tâche générale, c'est juste les 4 petites cordes qui sont collées au ballon et fixées à la nacelle. Il n'y a rien d'autre, si je pousse, la nacelle monte, hein, elle est vraiment fixée grâce aux cordes. Je voulais percer dans mes petits bouts de bois pour pouvoir mettre le fil dedans et j'ai pas vu. Je pensais que le fer à souder aurait fonctionné, mais ça n'a pas marché et le petit foret de ma perceuse a disparu. Du coup, je suis venu mettre des petites cordes que j'ai attachées à la mousse que j'ai mis autour pour venir fixer mes grosses cordes dessus et fermer avec du scotch pour éviter que je sois obligé de faire des gros nœuds qui auraient fait moche. Pour la déco globale, encore une fois, je me suis servi de boulons, enfin d'écrou, pardon, et de petits engrenages steampunk. Encore une fois, le lien de tout le matériel est dans la description. Un petit peu de fil électrique. La peinture, j'ai fait cuivre foncé, cuivre clair, argenté, noir. Un peu à l'acrylique, un peu à la bombe. Toutes les petites décos comme ça, vous avez pu voir, c'est de la mousse, de la feuille de mousse. Le tube du milieu, c'est tout simplement le tube en carton d'un morceau de sopalin. Les trucs qui dépassent, ce sont des pailles. Le truc qui l'entoure, c'est des chenilles magiques pour les enfants. Ça, c'est le haut d'une petite bouteille. Je me suis dit, comme ça, on peut l'ouvrir, le fermer. Ça fait genre l'air chaud ou quoi, l'air chaud sort. Les petits trucs qui pendouillent, c'est des colliers. Des petits colliers pour mettre des bijoux, tout simplement. Je vous dis, tout est dans la description. Puis voilà, dans sa globalité, j'utilise à peu près constamment le même matériel. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous commencez à voir à peu près comment je fonctionne. On va l'allumer. Ah, et ça, le truc là, bah, ça s'achète comme ça. C'est ce qu'on appelle des boules décoratives transparentes de Noël. En fait, vous les achetez en forme de boule. Vous pouvez les ouvrir en deux comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et faire vos propres boules de Noël. Donc, ça, ils en vendent. J'ai pas mis le lien de ça, mais ils en vendent dans tous les magasins, style Jiffy, Cultura, la foire fouille, ce genre de choses. Surtout là, en période de Noël, il va y en avoir partout. C'est le moment d'y aller parce que les prix vont être un peu plus bas. L'allumer. Donc comme je le disais, pour l'allumer, moi j'ai laissé le fil électrique dedans et comme je n'ai pas de bouton, je laisse la pile dedans, il faut que je vienne la brancher. Pour que ça soit plus facile pour moi la construction, vous avez vu que je l'ai accroché direct. C'était parce que comme je voulais pas que la nacelle soit... Enfin, je voulais qu'elle soit dépendante du ballon et du coup pour pouvoir travailler sur les deux en même temps, ça a été plus simple pour moi d'accrocher le ballon dès le début. Mais vous n'êtes pas obligé, moi c'est mon atelier, je fais des trous au plafond tous les jours, voilà, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde de faire des trous dans les plafonds. Et pour m'aider, j'ai mis du poids dedans. Donc au début j'avais mis des galets, mais c'était un peu biscornu, du coup j'ai mis du sable et du coup il y a du sable partout dans l'atelier, c'est génial. Voilà, vérifier que ça marche encore. Donc voilà. Ensuite, ça c'est du tissu un peu comme de la soie. Je ne sais pas trop ce que c'est cette matière-là. C'est des chutes que ma mère m'a donné. Ça, je ne sais pas trop où vous pouvez le trouver. Je pense que sur internet aussi. Hein, de toute façon, sur Amazon, maintenant ils vendent tout. Hein, c'est là-bas que j'achète tout maintenant. Donc voilà dans la globalité. Pour la fixation, parce que je ne l'ai pas dit, en fait, normalement, si vous avez suffisamement de feuille de plâtre, là, de bande de plâtre, c'est rigide. Une fois sec, c'est vraiment solide, vous pourrez fixer directement ce que vous voulez dedans. Moi, comme j'en ai pas mis beaucoup, c'est un peu souple, hein, on peut voir qu'il y a des endroits où ça se creuse. En fait, je suis tout simplement venu mettre un petit carton rond en dessous et j'ai fixé un crochet qui se visse. Comme ça, j'ai traversé ma montgolfière et le carton, comme ça, c'est pris dans le carton, ça bouge plus. Voilà, après, je l'accroche au plafond avec un fil. Tout simplement, voili voilou. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, je suis pas totalement satisfait du résultat parce que normalement elle aurait dû descendre plus bas et le design dans sa globalité n'aurait pas du tout été le même, j'aurais pas été obligé de venir mettre des trucs comme ça, etc. Et elle aurait peut-être été aussi un peu plus droite parce que là elle penche, mais maintenant que j'ai tout accroché, ça m'emmerde un peu de venir remonter les fils pour que ça penche plus, surtout que ça va rester juste en exhibition dans l'atelier. Donc voilà, mais bon, ça... Ça me plaît, oui et non. Ça me plaît dans le sens où j'ai pu réussir certaines choses que j'avais en tête, et ça me plaît pas dans le sens où il y a plein de choses que j'avais en tête que j'ai pas pu réussir justement, donc je pense que j'en referai une
d'une manière totalement différente, en n'utilisant pas des bandes de plâtre cette fois. Et on verra un petit peu la différence. Et en utilisant un peu d'autres couleurs, parce que le steampunk est très industriel, très rouille, très argenté, très cuivre, etc. Mais on peut venir y mettre des vraies couleurs, hein. Donc je pense que la prochaine, je la ferai en couleur un peu plus flashy. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il n'aura pas été trop compliqué à suivre, que certains d'entre vous quand même essaieront de le refaire, et que, voilà, quant à moi, je vais aller faire le montage de tout ça maintenant, parce que non seulement la création a été longue, mais le montage va être long. Et j'espère que ça vous aura plu, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Si tu viens sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, il y a des nouveautés tout le temps, il y a une à deux vidéos par semaine. Tu peux apprendre plein de trucs, tu peux me laisser des commentaires pour essayer que je fabrique quelque chose que tu veux, etc. Donc voilà, n'hésite pas. De temps en temps, on fait des lives où on se marre bien aussi. Il y a de tout dans la taverne, tu t'ennuies pas avec nous. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais des big bisous. Bye bye.